Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Après une journée d'accalmie, les orages ont redoublé en début d'après-midi dans le sud de la France. Nîmes est paralysée par la montée des eaux, les trains sont bloqués, un pont s'est effondré, l'autoroute A9 est fermée entre Narbonne et Montpellier. L'alerte est maintenue demain jusqu'à la frontière italienne. Aux États-Unis, peut-être une première indication sur le bilan du cyclone Katrina. 25 000 sacs mortuaires ont été apportés en Louisiane et dans le Mississippi. L'Amérique redécouvre la pauvreté et s'interroge sur ses faiblesses. Les profits colossaux des compagnies pétrolières suite à la flambée du brut. Total annonce plus de 6 milliards d'euros pour le premier semestre. C'est encore davantage aux États-Unis. Tous les records sont battus. Les 100 jours de Dominique de Villepin à Matignon, le Premier ministre en déplacement à Beauvais, a été pris à partie par des manifestants de la CGT. Les 5 grands syndicats français appellent à une journée d'action commune, ce sera le 4 octobre. Le personnel des hôpitaux exaspéré par l'incivilité des patients, injures, menaces et parfois violences physiques. Une campagne nationale d'affichage démarre aujourd'hui pour demander du respect et de la politesse. Enfin, le football, on reviendra sur la victoire qui relance la France, 1-0 à Dublin. Victoire et canular, les joueurs ont tous mis la main sur le cœur pendant l'hymne national, après un coup de téléphone soi-disant de Jacques Chirac. En fait, il s'agissait d'un imitateur qui a dupé Zidane et ses camarades. Le répit aura donc été de courte durée dans le sud de la France. De l'eau, des trombes d'eau même se sont encore abattues sur un sol déjà détrempé. C'est le département du Gard qui a été le plus touché. Sur place, Léo Lamberton, Françoise Mazou. Il est 15h et les rues de Caissargues dans le Gard ne sont plus que des torrents de boue. C'est incroyable. Je suis œnologue à la cave de Générac. On est obligé d'arrêter toutes les machines, les vendanges et ça recommence ici. C'est incroyable. C'est purement hallucinant. Toute l'après-midi, des orages très violents s'abattent sur Nîmes et les villages plus au sud. Très vite, les routes sont inondées et les gens coincés. À Caissargues, la pluie a surpris les habitants. Certes, on était toujours en vigilance orange, mais tous croyaient que le plus dur était passé et ils ont le sentiment de ne pas avoir été prévenus. On n'a pas été informés et avisés par les autorités. Parce que hier, nous étions en alerte rouge et aujourd'hui, pas du tout. Alerte orange, et puis ils nous l'ont dit qu'à 13h aux informations. Donc on s'est retrouvé piégé. Vu ce qui est tombé avant-hier, tout est plein, donc c'est normal que ça déborde. Vous pensiez qu'il allait repouvoir comme ça deux jours après? Bon, c'était annoncé, mais je pensais pas autant quand même, ouais. À Aubord, les habitants se retrouvent inondés pour la deuxième fois en deux jours. De toute façon, j'avais déjà tout perdu avant-hier. Alors maintenant, voilà. Il n'y a plus qu'à renettoyer. Mardi, 350 familles avaient été sinistrées par les orages. L'eau était montée jusqu'à 1 mètre dans les maisons. Cet après-midi, le niveau a été moins important, mais les villageois sont à bout de nerfs. Ben, coup sur coup, ouais, c'est... Déjà hier, on n'avait jamais vu ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est... Ouais. C'est vraiment la... C'est vraiment... On comprend plus, on ne sait même plus comment il faut faire pour que ça puisse ne plus arriver. Ce soir, il continue de pleuvoir par intermittence. Les orages devraient s'affaiblir progressivement et disparaître demain. Mais à Aubord, où il n'y a plus d'électricité, c'est une nuit de veille et d'angoisse qui commence. Oui, à Nîmes aussi, plusieurs rues du centre-ville se sont transformées en torrents. Les parents d'élèves ont été invités à rester chez eux. Les enfants ont été gardés un peu plus longtemps à l'école. Il était très difficile de circuler cet après-midi. Anouk Burel. Prise au piège, surpris par les flots. En quelques minutes, les trombes d'eau paralysent toute la ville de Nîmes. Soudain, les routes sont submergées, les voitures enlisées, parfois piégées comme ici par des plaques d'égout. Même les piétons sont pris de court. Et il n'y va pas là-bas, hein? Il ne va pas là-bas, stop! Et vous passez pas là, hein? C'est au milieu, je vais à la gare, je suis obligé. Ces voyageurs n'iront pas très loin. L'eau a envahi toute la gare. Les trains ne circulent plus. Tout le trafic a été interrompu dans la région. Ces élèves, eux, ont choisi de quitter leur établissement, de rentrer chez eux, malgré tout. Et là, ils nous laissent sortir, mais à un moment, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on reste. Mais maintenant, c'est bon, ils nous laissent sortir. Je suis un peu surpris quand même que la préfecture n'ait rien fait concernant cette journée. Parce que bon, autant il y a deux jours, il y avait quelque chose qui avait été fait, autant aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Donc je suis un peu surpris. Alors maintenant, j'essaie de rentrer chez moi. Selon la préfecture du Gard, certains élèves pourraient peut-être passer la nuit dans leur établissement. La situation est moins chaotique à Lunel, dans l'Hérault. Ici,
Les pompiers sont venus en aide à cette famille en panne de voiture. Les fortes précipitations ont fait monter le niveau des eaux brusquement. La circulation est difficile dans la ville, mais surtout à l'extérieur. L'autoroute A9 est impraticable pour le moment. Voilà, pas de victimes pour l'instant. Difficile aussi d'évaluer les dégâts. Nous retrouverons dans quelques instants notre envoyé spécial, Léo Lamberton, car les liaisons sont très difficiles. Il continue à pleuvoir actuellement dans le Gard et dans l'Hérault. Des intempéries dans le sud de la France, mais aussi pas très loin de là, dans le nord de l'Espagne. La région de Barcelone a été frappée par 2 tornades en quelques heures. Un phénomène très rare de ce côté-ci de l'Atlantique. Christian Autain. Le ciel s'est brusquement assombri. Et tout d'un coup, de la mer, la tornade a foncé sur la ville. C'était hier, en début de soirée à Barcelone. On était là à regarder en direction de la mer, on a tout vu, on a vu la tornade s'élever comme au cinéma, on s'est dit c'est pas possible, alors on s'est précipité dans la voiture et en 5 secondes c'était sur nous, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Au même moment, une deuxième tornade s'est abattue sur l'aéroport de Barcelone, provoquant une grosse pagaille. Le trafic a été totalement interrompu. 42 vols ont dû être annulés et 13 autres déroutés sur les aéroports voisins. Grosse frayeur pour les passagers qui venaient d'embarquer. À travers le hublot de l'avion, j'ai vu une fourgonnette soulevée sur près de 35 mètres. Elle a ensuite heurté le nez de l'avion avant de tourner de 180 degrés sur elle-même. En à peine 10 minutes, les deux tornades ont causé des dégâts spectaculaires. De nombreux véhicules ont été renversés, des morceaux de toiture arrachés et plusieurs bureaux de l'aéroport endommagés. Mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On repasse la frontière et on revient en France pour vous retrouver, Léo Lamberton, en direct de Haubord, près de Nîmes. Mardi dernier, on avait souligné à quel point les orages avaient été anticipés, préparés. Aujourd'hui, apparemment, les habitants estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment prévenus. Oui, effectivement, toute l'après-midi, nous avons rencontré des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on n'était pas passé en niveau d'alerte rouge alors qu'il pleuvait très très fort et que les routes, les maisons commençaient à nouveau à être inondées. En fait, il faut savoir que les niveaux d'alerte rouge, orange, jaune sont des niveaux d'alerte qui sont déclenchés par Météo France et qui tiennent compte du cumul des pluies. En fait, pour passer en niveau d'alerte rouge, il faut un cumul qui peut atteindre jusqu'à 300 mm heure. Or, cet après-midi, nous étions en niveau d'alerte orange, ce qui est déjà un niveau très important, et au plus fort des orages, le cumul des pluies a été que 240 mm d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces orages cet après-midi sont tombés sur des sols qui étaient imbibés d'eau, des cours d'eau qui étaient gonflés par les orages de mardi, et ça a donc provoqué autant de dégâts que les pluies très violentes il y a 2 jours. Ceci étant, la préfecture pense qu'effectivement, déclencher des niveaux d'alerte en ne tenant compte que du seul critère des cumuls des pluies est peut-être insuffisant et qu'il va falloir trouver d'autres systèmes pour éviter que les gens ne se retrouvent pris au piège comme cet après-midi. Léo, 2 mots encore. Où en est-on ce soir? Est-ce qu'il pleut encore? Apparemment, oui. Et est-ce que la circulation est rétablie parce que l'autoroute, la circulation avait été interrompue ainsi que le trafic ferroviaire? Alors il pleut toujours, vous le voyez effectivement, des orages par intermittence, il devrait pleuvoir comme ça à peu près toute la première partie de la nuit. Au niveau du trafic, bien, l'autoroute est toujours coupée, l'autoroute A9 et l'autoroute A54 dans les deux sens. Il n'y a plus de trafic de train, trafic TGV, les avions sont détournés sur l'aéroport de Montpellier. Quant aux écoles, les lycées, collèges, il faut savoir qu'elles seront fermées toute la journée de demain dans le Gard. Merci Léo, on vous retrouve si besoin en fin de journal car effectivement la pluie n'est semble-t-il pas prête de s'arrêter. Météo France en tout cas maintient l'alerte orange dans les départements du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse. Prudence donc au moins jusqu'à demain matin. Autre phénomène naturel, la vallée de Chamonix a été secouée par un petit tremblement de terre d'une magnitude comprise entre 4,4 et 4,9 sur l'échelle de Richter. C'était en fin de matinée. Il n'y a pas de blessés, mais les habitants ont bien senti la secousse et plusieurs éboulements ont été constatés dans le massif du Mont Blanc ainsi qu'un peu plus bas dans la vallée. Ce secteur des Alpes est une zone sismique bien connue. Aux États-Unis, il y a maintenant 10 jours, tout juste, que le cyclone Katrina a touché les côtes de la Louisiane et du Mississippi. Toujours pas de bilan officiel. Il faut dire que les autorités font chaque jour de nouvelles découvertes. Ainsi, à la Nouvelle-Orléans, les corps sans vie de 30 pensionnaires d'une maison de retraite ont été découverts dans l'établissement. Apparemment, le personnel les avait abandonnés. Gilles Marinet. Tous les survivants auront bientôt quitté la Nouvelle-Orléans, évacués, de gré ou de force. Restent les morts, les découvertes macabres se succèdent.
30 corps dans la maison de retraite Sainte-Rita. Les autorités sanitaires avaient affrété deux bus pour évacuer l'établissement. Juste avant l'arrivée du cyclone, la directrice a refusé. Je lui ai dit que j'avais deux bus et deux chauffeurs pour emmener tout le monde où elle voulait. Elle a répondu qu'elle avait 5 infirmières, un générateur et que les familles des pensionnaires souhaitaient qu'ils restent là. 2 heures plus tard, l'ouragan dévaste la ville. La maison de retraite est touchée de plein fouet, puis inondée. Cette fois, la directrice appelle à l'aide, mais les autobus ont déjà été réquisitionnés sur d'autres secteurs. Selon le témoignage des retraités survivants, une cinquantaine, le personnel de l'établissement aurait téléphoné tous les jours au secours, avec chaque fois la même réponse, nous arrivons. Mais ils sont restés seuls jusqu'à ce matin. Les responsables de la ville rejettent la faute sur la directrice. On leur a proposé de l'aide et ils l'ont refusé. Mais pourquoi? Ça, il faudrait le demander aux personnes concernées. Quelqu'un a pris une très mauvaise décision. Le bilan du passage de Katrina est toujours inconnu. Entre quelques centaines et quelques milliers de victimes, actuellement, nulle autorité n'est capable de le dire. Oui, mais un chiffre donne peut-être une idée du bilan. 25 000 sacs mortuaires ont été apportés dans le sud des États-Unis. On évoquait hier le risque de maladie. Eh bien, les autorités envisagent de larguer par hélicoptère des produits désinfectants. Regardez cette image aérienne tournée aujourd'hui autour des digues. Elle montre à quel point l'eau est polluée par des produits chimiques et des hydrocarbures. Les médecins estiment que le risque d'épidémie est faible, mais ils appellent la population à éviter tout contact avec l'eau. Envoyé spécial Jacques Cardoz, Bruno Giraudeau. Dans les rues inondées, on distingue parfaitement les traces d'hydrocarbures. Mais pas seulement. Depuis 10 jours, tout ce que la ville a dû rejeter en un instant stagne dans ses eaux souillées. Pour combien de temps encore? Si la priorité reste la recherche des corps, les risques de contamination à l'eau polluée augmentent chaque jour. Les derniers habitants de la ville bravent les interdits parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour échapper à l'évacuation, Walker erre de maison en étant parfois au contact de l'eau. Oui, c'est vrai. L'eau commence à être sale. Quand je vois une bouteille fermée, je la récupère et je regarde si elle est bonne. Si elle est déjà ouverte, je la bois pas. Dans ces quartiers-là, les ordures n'ont pas encore été ramassées. Le vieux Sam profite de l'absence d'autorité pour camper sur sa terrasse, eau minérale à la main. J'ai récupéré cette bouteille et j'en ai plein à la maison. Vous ne buvez que de l'eau minérale? Oui, seulement de l'eau minérale. Je bois que ça. Et vous n'avez pas peur des maladies? Non, je m'en occupe pas des maladies. Il n'y en aura pas des maladies. Autour du centre de conférence d'où sont évacués les derniers habitants, les militaires distribuent des bouteilles d'eau et les médecins font un premier contrôle. Il y a encore beaucoup d'éléments inconnus dans les eaux. Mais on sait déjà qu'il y a des produits chimiques, de l'essence et des corps en décomposition. Donc toute exposition à l'eau est franchement dangereuse. L'objectif d'assécher la totalité des eaux de la ville devrait être atteint après plusieurs semaines de pompage. D'ici là, les autorités réclament la plus grande prudence. Jacques Cardoz qu'on retrouve en direct de la Nouvelle-Orléans. Bonsoir Jacques. La population américaine visiblement est choquée. Bonsoir, dans David. Tout le pays, le sort des réfugiés provoque un élan de générosité. Oui, vous savez, les Américains sont assez pragmatiques et quel que soit leur niveau de revenu, eh bien, ils ont décidé de venir en aide, de proposer des dons aux sinistrés et aussi à l'aide pour la reconstruction de la ville. Ceci dit, cette solidarité, on ne l'aperçoit pas encore ici sur le terrain. Vous savez, c'est une ville extrêmement militarisé, avec beaucoup de militaires donc, mais aussi beaucoup de policiers. Alors on sait que des camions commencent à affluer ici vers la Nouvelle-Orléans et on sait aussi qu'il y a quelques volontaires qui sont ici, qui sont venus de leur propre chef des États voisins, notamment des médecins qui ont proposé leur service. Un mot aussi Jacques, des secouristes français, apparemment ils ont été accueillis un peu fraîchement, pas par la population mais par les autorités. Oui, mais je ne crois pas qu'il faille y voir un sentiment anti-français ou une quelconque mesure de rétorsion à l'égard des Français en particulier, parce que finalement ici, il n'y a quasiment pas d'aide internationale, il n'y a pas non plus d'Européens ou d'autres équipes venues du monde entier. Pour ce qui est des Français, c'est vrai, eh bien, ils n'auront pas tout le loisir de prêter et de faire valoir leur savoir-faire, puisqu'ils seront installés dans l'Arkansas, à Little Rock très exactement. Mais ceci dit, eh bien, ce n'est pas une exception française, puisque vous le voyez, les autres équipes internationales, eh bien,
ont aussi été déployés ailleurs et non pas ici à la Nouvelle-Orléans. Oui, ce serait donc plus un problème d'organisation. Merci Jacques. À noter en tout cas que l'aide continue d'affluer, y compris, c'est toujours étonnant, des pays les plus pauvres. L'Ouganda vient ainsi d'offrir 200 000 dollars aux vitrines de Katrina. Alors aux États-Unis, on s'interroge sur l'organisation des secours, mais aussi sur l'attitude de George Bush. Le 11 septembre avait conforté sa stature. 4 ans plus tard, ce 29 août risque au contraire d'entamer son crédit. Gilles Rabin. New York, septembre 2001, George Bush avec les sauveteurs sur les ruines des Twin Towers. C'est un chef de guerre sûr de son bon droit qui harangue son peuple et que son peuple traumatisé acclame. Moi je vous entends et les gens qui ont détruit ces immeubles vont bientôt nous entendre. La première puissance du monde se sentait unie, solidaire, impériale. La Nouvelle-Orléans, septembre 2005. Bush, avec des rescapés du cyclone, ce n'est plus un chef de guerre, mais un politicien pris dans une tempête politique qui se plie aux idées les plus démagogiques de ses conseillers. L'Amérique n'a jamais été aussi désunie, aussi divisée et stupéfaite. Elle se découvre un visage de tiers-monde. Pendant 5 jours et 5 nuits, une des plus grandes villes des États-Unis a vécu dans un chaos total. Au 5e jour, alors qu'on attend toujours les sauveteurs, à Washington, Bush n'a pas encore pris la mesure du désastre. Il faudra beaucoup de temps pour s'en sortir. Le président américain, qui 3 jours après le cyclone s'était contenté de survoler la Nouvelle-Orléans sinistrée, se rendra 2 fois sur place la semaine suivante pour réparer son erreur en vain. Le gouvernement fédéral a dit qu'il prenait la direction des opérations et pour de multiples raisons, ça n'a pas marché. L'Amérique ne comprend pas qu'on ait ordonné l'évacuation de la ville avant le cyclone sans l'organiser. Et qu'on ait abandonné sur place, sans défense, les plus pauvres, qui 9 fois sur 10 dans cette ville sont des Noirs. On se croirait revenu au temps de l'esclavage. L'Amérique découvre qu'avec la lutte contre le terrorisme qui faisait l'unanimité, on lui a vendu un programme politique ultralibéral, coupe de budgets sociaux et d'infrastructures, qui lui ne faisait pas l'unanimité. Et qu'elle en paye le prix aujourd'hui, rien n'arrive par hasard. Le cyclone Katrina et ses conséquences, il en sera aussi question ce soir dans Envoyé spécial. 2 équipes du magazine ont vécu avec les rescapés pendant plusieurs jours. Envoyé spécial à partir de 20h55 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Économie avec un chiffre qui fait sensation. La flambée du brut pèse sur le budget des ménages, mais elle ne fait pas que des malheureux. Total affiche un profit colossal pour le premier semestre, près de 6 milliards d'euros. Pour les 5 compagnies mondiales, les 5 premières compagnies du monde, les bénéfices attendus cette année devraient dépasser carrément 100 milliards d'euros. Jamais un secteur industriel n'a dégagé un tel excédent. Julien Beaumont, Éric Delagneau. 5,8 milliards d'euros de bénéfices sur les 6 premiers mois de l'année, c'est un résultat historique que vient d'annoncer le groupe Total. Un record et une question. C'est mécanique. Plus le pétrole flambe, plus les recettes augmentent pour les producteurs comme pour les raffineurs. La courbe des bénéfices de Total sur les 5 dernières années suit de très près celle du prix du baril, ici en gris, un baril qui passe de 20 à 64 dollars. Comment vous voulez, je trouve ça normal. Ça me paraît aberrant. Ça me choque, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui payons la facture à la fin. Pour Total, pas question de diminuer aujourd'hui significativement ses tarifs. En revanche, à long terme, selon les spécialistes, les prix pourraient baisser sous la pression du consommateur. Il se peut que la demande commence à fléchir. Si elle commence vraiment à diminuer, à ce moment-là, les prix pourraient commencer à leur tour à diminuer et les bénéfices des compagnies et des pays producteurs pourraient aussi diminuer. Ce bénéfice donne des idées à certains. La CGT voudrait que le gouvernement taxe les bénéfices des pétroliers. Nous lui demandons d'obliger le groupe Total à rendre une partie de ses profits pour, d'une part, faire baisser les prix à la pompe et, d'autre part, investir dans la recherche. Ce n'est pas la solution. Le problème, c'est de faire redescendre les cours, d'essayer, au contraire, d'investir au maximum pour augmenter les capacités de production. Et nous, par exemple, on a augmenté en 2 ans d'un tiers nos budgets d'investissement. Les 5 premières compagnies pétrolières mondiales, dont Total, ont engrangé 100 milliards de dollars. Cette somme équivaut à la facture totale des dégâts estimés pour le moment de Katrina aux États-Unis.
Actualité sociale, les 5 grandes centrales syndicales françaises, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC et la CGC, appellent à une manifestation commune en cette rentrée. La date a été annoncée aujourd'hui, ce sera le mardi 4 octobre, journée d'action pour la défense de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les syndicats souhaitent des négociations avec le gouvernement et la direction des entreprises, notamment contre la précarité. Des militants syndicaux qui ont par ailleurs interpellé Dominique de Villepin à Beauvais, le Premier ministre qui vient de passer le cap des 100 jours à Matignon. On l'évoquait hier, était à cette occasion en déplacement. Il a été un peu chahuté. Jean-Baptiste Prédali, Vincent Bouffartigue. Sur le bilan du gouvernement, les manifestants CGT de Beauvais avaient leur idée ce matin. Du coup, le Premier ministre s'est lancé dans un dialogue social très direct. Qu'est-ce que vous proposez à mes gosses? Qu'est-ce que vous leur proposez? Un contrat à temps partiel, ils ne pourront pas vivre, ils ne pourront pas se loger. Ils iront squatter. Fin de la parenthèse improvisée, la leçon est tirée en une phrase. Avant et après, c'était nettement plus détendu. Séquence photo dans un lycée professionnel. Mal cadré. Une visite sur l'école et la formation. Là, pas question de bilan, mais plutôt d'avenir. Pour évoquer son action au présent, Dominique de Villepin est redevenu poète. Ce matin, on lui a offert un cœur en ardoise. Ce cœur l'a inspiré. Ce cœur de France, nous battons pour lui. Et nous voulons le servir. Merci. Très bien. Bref, pour fêter ses 100 jours à Matignon, le Premier ministre avait choisi le terrain, comme on dit. Ce n'était peut-être pas historique, juste un peu lyrique. Dominique de Villepin qui a aussi donné des nouvelles de Jacques Chirac. Elles sont bonnes, a-t-il déclaré. Il a hâte de sortir, c'est peu dire. Fin de citation. Le président de la République qui a reçu ici la visite de son épouse, comme chaque jour. Il devrait quitter l'hôpital du Val-de-Grâce demain ou après-demain. Aucun nouveau bulletin de santé n'a été publié. Une campagne nationale contre les incivilités à l'hôpital. Rester calme et courtois lorsqu'on va se faire soigner, cela paraît être la moindre des choses. Eh bien apparemment, il n'en est rien. Injures, menaces et même coups parfois. Les personnels disent ressentir une tension de plus en plus vive. D'où cette campagne nationale que vous découvrirez dès demain. José Blanc-Lapierre, Marie Croux. Bienvenue à l'hôpital. Tendez l'oreille, on appelle ça pudiquement l'incivilité. Attendez, attendez, attendez. Les gens attendent des heures et des heures ici, ils pourront rien. Oh, on vous en gagne pas. Une petite violence que le personnel soignant endure au quotidien. Et le ton monte dès l'arrivée. Au guichet des admissions, où défilent jusqu'à 150 personnes par jour, on se fait parfois des frayeurs, même avec 25 ans d'expérience. C'est vrai que c'était des gens qui voulaient se faire hospitaliser tout de suite, qui ne comprenaient pas. C'était violent. C'était limite. Mais moi j'ai eu peur et j'avoue que je tremblais un petit peu parce qu'ils étaient deux et très très énervés. Et dans le domaine des injures, c'est connu, l'imagination n'a pas de limite. Ça peut aller des insultes les plus courtes. Vous êtes que des fonctionnaires, c'est moi qui vous paye, vous devez faire votre travail. Ça peut être, comme ça nous est déjà arrivé, une personne qui s'énerve vraiment et qui nous jette un sort en sortant, vous serez maudit, tout ce que vous voulez. Aux urgences, la même impatience. On veut être soigné et tout de suite, sans aucun respect pour la profession. Et les râleurs ne sont pas toujours ce que l'on croit. Souvent les gens mécontents qui râlent, qui sont justement pas forcément très corrects, très polis, c'est rarement des gens qui ont des choses graves. Vous voyez, c'est des gens qui viennent pour des petites choses et qui ne comprennent pas du tout qu'il y a un brancard avec un patient mal dessus qui passe devant. Si vous attendez, c'est qu'on préfère regarder des photos. L'hôpital lance une campagne en forme de clin d'œil, sorte de piqûre de rappel sur les règles élémentaires de la bonne conduite. Avec un slogan, on fait notre maximum, restez polis, au minimum. Excusez-moi. Une visite de la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, en Corse pour réconforter et rassurer les gendarmes et leurs familles. Les attentats contre les casernes sont monnaie courante, une vie éprouvante pour les épouses et les enfants. Du coup, les bâtiments ont été sécurisés. Reportage Jindine Boudaoud, Philippe Turpeau. Cet après-midi, le ciel corse était chargé de gros nuages. L'hélicoptère de la gendarmerie annonce l'arrivée sur l'île du ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Des dégâts collatéraux, vous voyez, donc elle vient réconforter les gendarmes, souvent pris pour cible au cours d'attentats.
Ces familles de la brigade de Ghisonaccia en ont été quittes pour une belle frayeur au mois d'août dernier. Une bouteille de gaz piégée a été découverte et neutralisée in extremis. Depuis 2004, 23 attentats ont été perpétrés contre des gendarmeries. Pas de victimes, mais beaucoup de stress. C'est pas facile à vivre et c'est plus difficile de jour en jour, hein, étant donné qu'on a une pression régulière. On est gardé, mais bon, c'est sûr que même pour les enfants, quand ils voient des hommes armés en bas de chez eux, bon, c'est... Et puis ils ont été choqués par ce qui s'est passé aussi, quoi. Le 22 octobre dernier, la gendarmerie d'Aléria a été visée. Une charge explosive dévastait plusieurs appartements. Prévenue par un coup de téléphone anonyme, la brigade avait été évacuée. Prendre le risque volontaire de blesser notamment des enfants, et certains sont passés à côté de blessures graves, et puis se sauver, c'est une preuve de lâcheté. À Aléria, les militaires ont déjà payé un lourd tribut. Deux morts en 1975 au cours d'une fusillade, un acte fondateur pour beaucoup de nationalistes. Les stèles à la mémoire des deux gendarmes ont d'ailleurs été vandalisées. Des vitrages blindés, des caméras de surveillance, un plan de 10 millions d'euros pour sécuriser les gendarmeries et tenter de rassurer les familles. Un mot de la sécheresse. La Commission nationale des calamités agricoles a décidé de reconnaître à 17 départements le statut de sinistré. Vous les découvrez, des Hautes-Alpes aux Hautes-Pyrénées, des Deux-Sèvres à la Drôme. Les demandes d'indemnisation pourront donc être formulées. Une somme de 39 millions d'euros a été mise de côté à cet effet. À l'étranger, la crise en Ukraine. 9 mois après la révolution orange qui avait ému le monde, la coalition au pouvoir se déchire. Le président Viktor Yushchenko a limogé l'ensemble du gouvernement, à commencer par la première ministre, Yulia Tymoshenko. Certains proches du président étaient ouvertement accusés de corruption par le gouvernement. En Grande-Bretagne, une élection qui a valeur de symbole. Pour la première fois, c'est une musulmane qui a été choisie comme Miss Angleterre. Il s'agit d'une étudiante d'origine ouzbek. À Londres, Maryse Burgo, Dominique Marotel. En quelques jours, elle est devenue une professionnelle de l'interview et de la pose. Et c'est bien la première fois qu'une Miss Angleterre suscite un tel intérêt. Ses grands yeux y sont certes pour quelque chose, mais c'est surtout la religion qui fait de cette étudiante une Miss Angleterre pas comme les autres. Amasa Kohistani est musulmane. Je suis très heureuse parce que malgré tout ce qui est arrivé, j'ai quand même été élue et choisie pour être Miss Angleterre. Cela prouve que toutes ces bombes et tous ces événements n'ont pas séparé les gens et les communautés. En fait, cela les a rassemblés. Née en Ouzbékistan, de parents afghans, Amasa vit en Grande-Bretagne depuis 9 ans. Elle parle 6 langues et symbolise parfaitement cette Angleterre multiconfessionnelle qui refuse de se laisser impressionner par les attentats de juillet. J'espère que je vais pouvoir prouver qu'il y a ici des musulmans qui sont des gens bien et qui veulent du bien aux autres. 3 autres musulmanes figuraient parmi les finalistes. Malgré la condamnation des islamistes radicaux de Londres, elles seront allées jusqu'au bout. Pour la première fois donc, une musulmane représentera l'Angleterre au concours de Miss Monde. Un symbole fort, alors que la communauté musulmane britannique se sent stigmatisée depuis les attentats de juillet. Retour en France avec un changement durable dans les habitudes de consommation. C'est une expression anglaise qui résume le phénomène « low cost ». En bon français, on dirait « les coûts à la baisse », trouver le moins cher à tout prix. Internet y a évidemment beaucoup contribué. Il y a quelques années encore, cela ne concernait que les meubles, puis il y a eu les avions. Aujourd'hui, c'est toute l'économie qui est concernée, l'alimentation, les voyages et même les bijoux. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Elsa Palot, Laurent Hirsch. Voir baisser le prix de la vie, voilà aujourd'hui le grand souci des Français. On y pense, va-t-on y arriver? En 45 ans, cette préoccupation n'a finalement pas pris une ride. Ne pas vider son porte-monnaie. Et aujourd'hui, les magasins dits hard discount apparaissent souvent comme la solution. 16 millions de familles y font régulièrement leurs courses, comme ce couple. Ils deviennent tellement de plus en plus chers qu'ici ça reste encore raisonnable. Bon, c'est sûr que la mise en rayon n'est pas pareille que dans les grandes surfaces, mais bon, on trouve quand même des produits de bonne qualité et puis beaucoup moins chers qu'ailleurs. Hein. Et la clientèle a changé. Un tiers seulement a des revenus modestes.
Véronique Breton, elle, est plutôt aisée. Elle vit dans un quartier bourgeois de Paris, mais elle a 5 enfants et elle veut absolument faire des économies. Moi, je travaille pas, c'est quand même assez important. Et puis, bon, on voyage beaucoup, c'est vrai que c'est peut-être une façon, effectivement, de profiter par ailleurs. Il faut trouver des façons de vivre mieux et les consommateurs expérimentent la possibilité qui leur est donnée, qui est unique pour l'instant, c'est d'essayer des niveaux de prix qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Il y a 50 ans, il ne s'agissait en effet que de prémices. Ouverture des premiers supermarchés, sorte de hangar au décor dépouillé. Puis vint le temps de tatis et des vêtements à prix cassé. Certains de vos collègues qui disent que vous vendez du second choix, que vous vendez des chiffons même. Écoutez, nous ne vendons pas du chiffon. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, aucun secteur n'échappe au bas coût, avion ou encore train, car il suffit de comparer. Le panier de course revient 15 euros moins cher dans un hard discount que dans un commerce de proximité. L'écart est encore plus important entre un billet de train réservé 4 mois à l'avance sur Internet et le même acheté en gare. Enfin, une coupe de cheveux passe du simple au double selon le salon. Et même les hôtels sont discount. À Londres, cette chambre ne coûte que 30 euros. Il faut dire qu'elle mesure 3 mètres carrés, douche et toilettes comprises. Enfin, la location de voiture. Dans cette enseigne, on ose la publicité comparative. La recette des bas prix est toujours la même, des frais réduits et un rendement maximum. On a des taux d'utilisation qui sont très, très élevés. Un peu comme les avionneurs. Hein, vous voyez, dans un avion, toutes les places sont occupées. Ben, c'est un peu pareil chez nous. Et la dernière nouveauté, c'est cette croisière à bas coût dans la Méditerranée. Mais le rêve et l'évasion ont-ils vraiment un prix ? Transport avec la nouvelle robe du TGV. Elle a été rendue publique aujourd'hui. C'est le couturier Christian Lacroix qui a redessiné l'intérieur des trains, des couleurs vives. Une deuxième classe violette, vert pomme et rouge. Vous allez la découvrir avec plus de place pour les jambes et des prises de courant pour les téléphones et les ordinateurs. On va aller voir ces images. La première classe, elle, est un peu plus sobre, grise, avec des touches de vert. Tous les TGV Atlantique et Est seront rénovés d'ici 2010. Ça, c'est la deuxième classe, avec donc un peu plus de classe et surtout des couleurs plus vives, y compris pour les tablettes, vous le voyez. Et puis la première classe, donc, avec une dominante de gris. Toujours à propos de transport, une innovation pour les motards avec le premier coussin de protection, le fameux airbag qui fait son apparition sur les deux roues. C'est un constructeur japonais qui l'a dévoilé aujourd'hui, Vincent Fourcade. Une voiture qui surgit de nulle part et peut-être un motard de sauver grâce à un coussin d'air, le tout premier du genre. En 6 centièmes de seconde, 4 capteurs installés à l'avant de la moto détectent la collision et activent un coussin de sécurité. Le système fonctionne à partir d'une vitesse de 50 km/h. Une protection bienvenue pour les motards. Ils sont près de 20 fois plus exposés à des accidents mortels qu'un automobiliste. Cela faisait 15 ans que le japonais Honda travaillait à ce projet qui n'est pour le moment destiné qu'aux motos les plus volumineuses. En tant qu'inventeur de cet airbag, j'espère que très bientôt toutes les motos en seront équipées. Mais c'est très difficile pour le moment parce qu'il y a trop de modèles différents et nous avons encore besoin de temps pour développer cette technologie. Mise en vente au printemps 2006 aux États-Unis, cet airbag ne pourra donc être installé que sur cet unique modèle de moto. Et en attendant son éventuelle généralisation, les motards ne pourront donc compter que sur leur casque et sur ce gilet gonflable, efficace uniquement en cas de chute. Les sports et la belle victoire de l'équipe de France de football hier à Dublin, 1-0 sur ce tir enroulé de Thierry Henry, un exploit personnel. Les Bleus qui se relancent donc dans la course à la qualification pour le Mondial 2006. Et puis une soirée marquée par ce canular dont ont été victimes les joueurs. Pendant l'hymne national, ils ont tous porté la main à leur cœur, soi-disant parce que Jacques Chirac leur avait demandé par téléphone. En fait, il s'agissait d'un imitateur qui s'est fait passer pour le chef de l'État, Christophe Duchiron, Jean-Louis Melin. Zizou, décidément, c'est l'homme qui entend des voix. Il y a quelques semaines, c'était la voix du retour en équipe de France. Hier midi, c'était la voix du président de la République. Enfin presque. Pour les besoins d'un canular radiophonique, un imitateur hier imitait la voix de Jacques Chirac qui téléphonait à Zizou, lequel croyait entendre la voix de la France. Ce matin à la radio, l'imitateur s'amusait encore de son audace. Je vais vous voir ce soir par l'intermédiaire de la télévision. Hein. Ah, très bien.
appeler et de nous transmettre vos encouragements. C'est très gentil à vous. Et je lui ai dit, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous pouviez vous mettre la main sur le cœur, au moment de la Marseillaise. Il m'a dit, bien sûr, monsieur le président, on le fera, on le fera, on le fera. Aussitôt dit et bientôt fait, à Dublin, à 20h55 exactement, au moment de la Marseillaise, comme un seul homme et d'un seul geste, les 11 bleus de l'équipe de France, la main sur le cœur et finalement le cœur sur la main, Zizou en tête, ils ont tenu promesse. Cette image de l'équipe de France avec tous les joueurs, la main sur le cœur, en hommage à leur président et à ce qu'ils représentent, j'ai trouvé que c'était beau. C'est dommage que ça soit parti d'un canular. Hier, les Bleus sont tombés dans le panneau de la supercherie, mais pas dans le piège des Irlandais. La morale de cette histoire, méfiez-vous des imitations. Et puis une image de tennis, c'est Mary Pierce qui jouera la demi-finale des internationaux des États-Unis. Elle a battu Amélie Mauresmo hier soir 6-4, 6-1. Mary Pierce, toujours radieuse, qui affrontera la Russe Dementieva en demi-finale. L'autre, la demi-finale, opposera Sharapova et Clijsters. À noter chez les hommes qu'André Agassi sera lui aussi dans le dernier carré à 35 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Le ministre de l'économie et des finances, Thierry Breton, répond aux questions de Gilles Leclerc. La météo, Valérie Alexandre, point route, Valérie Maurice, 20h55, envoyé spécial, 23h campus, autour de Guillaume Durand, 1h moins le quart, dernier journal, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 télématin, à 13h, Élise Lucet, à 20h et tout le week-end. Vous retrouverez bien sûr Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de la mondialisation en mars. En marche, Disney débarque en Chine. Le géant américain ouvre lundi prochain un parc d'attractions à Hong Kong. À lundi, tout de suite, question ouverte.